Je m'appelle François Lotin, je suis le directeur opérationnel de la société ITS Énergie et le projet accompagné est Charbon. La problématique rencontrée était d'avoir un produit qui n'était pas toujours uniforme et donc nous avons décidé de faire appel aux caméras pour pouvoir arriver à uniformiser notre produit en entrée de process. Nous avons été au courant de l'existence des POC par Olivier Hénin. Et en fait, le POC va nous permettre de passer d'un step semi-artisanal à semi-industriel. On est à un tournant de nos activités et on espère qu'on va pouvoir arriver à passer une étape plus loin grâce à ce POC. Donc ce qu'on retient de ce POC, c'est que Corematic a permis de mettre en avant trois éléments clés. La principale, c'était de savoir si on arrivait à dimensionner le produit. La deuxième chose, c'était de savoir si on allait se connaître l'essence du bois. Et la troisième, c'était de savoir si on allait pouvoir identifier l'humidité. Ces trois points ont été rencontrés. Alors les points rencontrés qui ont été un peu plus compliqués en cours de POC, ça a été principalement l'obtention du matériel pour arriver à faire les tests en cours de POC. Donc on avait vraiment un objectif clé, c'était ce bois est un bois qui vient d'un circuit très court. Et donc ici aujourd'hui, on avait besoin d'avoir un process qui augmentait sa productivité grâce à un bois qui était plus uniforme en entrée. Cela va générer des produits qui vont être rejetés à l'entrée du process, mais qui vont pouvoir être utilisés sur le même site pour apporter l'énergie au séchage et pour apporter des amendements pour le sol, pour d'autres activités. Donc on arrive vraiment au bout du cycle et 100% des produits sont valorisés chez nous.